Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage. Alors j'ai attendu de, c'est pas que j'ai attendu, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo avant. Ça fait 2-3 jours que j'ai déjà fait ce coloriage. Par contre, il va être un petit peu plus long que d'habitude à faire. C'est toujours un coloriage d'Emmanuel Colin. Donc là, c'est un visage de face avec une jolie couronne de fleurs de pivoine sur la tête. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est un peu plus long à faire, parce que là, il y a quand même quelques fleurs quand même à faire, avec pas mal de pétales. Donc celui-là de coloriage, comme je disais, va être un peu plus long à faire. Donc là, vous allez vous en apercevoir déjà rien qu'avec cette première vidéo. C'est que sur cette première vidéo, j'ai fait 3 fleurs. Eh oui, pas beaucoup, hein? Mais bon, ces 3 fleurs m'ont pris quand même un certain temps. Donc, voilà. Bon, c'est ce qui va me prendre le plus de temps, hein, les fleurs. Mais bon, comme il faut les faire pétale par pétale, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, mais bon, c'est encore un joli modèle d'Emmanuel Colin que j'aime beaucoup. Maintenant, vous commencez à le savoir. Là, j'ai pris mes Prismacolor pour commencer à faire ce coloriage, pour faire les fleurs. Donc, je vais, comme d'habitude, vous mettre les numéros de crayon. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre en même temps en barre d'infos les correspondances approximatives. Je vais essayer de trouver approximativement, voilà, j'ai su le dire, les crayons, donc Mallette Action et Castel Art, Supply, voilà. Je vais essayer de mettre à peu près les correspondances. Oui, je parle trop vite et puis après ça se bouscule à la sortie. Comme ça, si vous voulez refaire ce dessin et avoir à peu près les mêmes couleurs que moi j'ai mis, vous pourrez le refaire si vous avez ces boîtes de crayons de couleur. Donc là, vous avez le choix du coup entre 3 boîtes. Sinon, quoi de neuf? Pas grand-chose, hein? On a entendu notre premier ministre hier. On est confiné dehors. Quelle grosse connerie. Mais bon, enfin, je fais pas de politique sur ma chaîne. Je voulais juste dire que c'était une connerie, mais bon. Donc voilà. Sinon, alors moi je vais continuer ce coloriage là ce week-end. Donc il y aura, alors je pense que du coup il y aura encore au moins 2 vidéos sur ce coloriage. Au moins. J'espère ne pas vous en faire 4 pour pas vous lasser. Je vais faire mon maximum pour qu'il n'y en ait que 2 encore. Voilà. Ensuite, il y aura une vidéo. Donc là, on est quoi, le 18, le 19? Donc, il y aura la vidéo. Alors, bah, je vous donnerai l'explication dans la vidéo à ce moment-là. Il y aura une explication Diamond Painting. Donc, ça, elle sera faite dimanche, je crois. Je sais plus. Attendez, ça y est, j'ai mon calendrier maintenant. Alors, on est au mois de mars. Du coup, je peux enlever février. Hop. Les jolies images sur mon calendrier. Alors, ah bah non, le 20 c'est demain. Ah mince, 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 mince. Et puis c'est le printemps demain. Demain c'est le printemps. Alors demain là, non, c'est aujourd'hui le printemps. Puisque là, quand vous voyez la vidéo, on est déjà le samedi 20. Donc, c'est le printemps, ça y est. Les arbres bourgeonnent, les fleurs éclosent.
J'ai quelques fleurs qui commencent à éclore dans le jardin. Oui, alors du coup, je vais avoir une journée de retard. Bon, ben, ça fait rien. Hein, je pense que ça, vous n'allez pas me taper pour ça, pour une journée de retard. Ouais, ben, alors du coup, non, je reprendrai mon coloriage plutôt lundi. Attendez. On est quoi? On est vendredi. Là, au moment où je vous parle, on est vendredi 19. on est vendredi 19. Là, au moment où vous voyez la vidéo, on est le samedi 20. D'accord? Donc là, oui, vous verrez bien. Ce sera coloriage ou diamond painting. Mais là, j'ai un petit retard du coup d'une journée sur une vidéo. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, non. Voilà. Et puis, je dois. Alors, vous êtes. Si je le réussis, vous aurez. Oh, vous aurez. Je vais refaire une vidéo recette, peut-être. Mais je dis peut-être parce que je vais voir si je réussis la recette. Si je ne la réussis pas, vous ne l'aurez pas. Donc ça, je vais faire ça dimanche. Donc si je la réussis, vous aurez ça lundi. C'est quelque chose que je n'ai encore... que j'ai. Cette recette-là, je ne l'ai pas encore faite. C'est de la pâtisserie, hein, tant qu'à faire. En ce moment, je suis pâtisserie. Je suis beaucoup pâtisserie. Donc, si j'ai réussi, vous aurez une vidéo donc lundi, normalement. Lundi ou mardi, ouais, de pâtisserie. Bon, normalement, j'avais dit que j'en ferais peut-être une par mois ou quoi. Mais là, bon, j'ai une idée comme ça qui m'est passée dans la tête. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Bon, allez. Ah, j'arrête de vous embêter. Je vais vous laisser visionner donc cette petite vidéo de coloriage. Enfin, petite comme ça. Comme d'habitude, si vous la trouvez un peu longue, ben, n'hésitez pas de mettre en pause et puis de revenir après, hein, avec votre café, un petit biscuit, un petit café. Ou s'il n'y a rien à la télé le soir, ben, vous mettez ma vidéo. Ce sera toujours aussi bien que ce qui passe à la télé, surtout en ce moment. De toute façon, moi, en ce moment, je mets YouTube sur ma télé et je regarde les vidéos. Parce que il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, je regarde les vidéos des copines sur ma télé. Et c'est tout aussi bien. Allez, maintenant, je vous fais. Ça y est, j'y vais. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous. À bientôt!